Anna, tu vas marcher un peu. Parce que maman est fatiguée, ok? Allez, viens. Bonjour madame, est-ce que vous savez où se trouve la forêt des armes? La forêt des armes, ça se trouve... Alors, vous suivez le sentier, vous allez... Allez tout droit et vous tournez à gauche et après il y aura un panneau marqué la forêt des armes. Voilà, tout simplement. Il y a un panneau? Oui. Vous ne pouvez pas vous trouver, c'est écrit dessus. D'accord, merci. Au revoir. Cindy, allez, viens, il est temps de rentrer. On ne joue pas à cache-cache là, ok? Cindy? Allô? Oui. Retrouve-moi au bureau. Je me retrouve tout à l'heure au bureau. Oui. C'est bon là, tu as la fillette. La fillette est avec toi. D'accord. Oui. Stop monsieur, le parc est fermé pendant 24 heures, vous devez repartir. Ah ok, pas de problème. Okay. Parce qu'il y a un événement là, ici, vous voyez là, le barrage là, okay. Ça passe pas du pas tout. Aller, quoi. Non. Ok, non. Pour okay soucis, pas de problème. Ok, merci monsieur, allez au revoir. Monsieur, stop, vous n'avez rien à faire ici là, monsieur. Monsieur, vous êtes dans... Il y a eu un enlèvement ici là, monsieur, vous êtes... Vous n'avez rien à faire ici. Je suis le lieutenant Colombo de la brigade criminelle. Lieutenant Colombo. Ah, c'est... Monsieur, excusez, monsieur lieutenant. Tous mes excuses, monsieur lieutenant. Tous mes excuses. N'oubliez pas de refermer les parages. Le parc reste fermé pendant 24 heures. Bonjour. Ah, bonjour, lieutenant. Dites-moi. Vous avez déjà inspecté les alentours? Oui, et nous avons... Et ça s'est passé où exactement? Vous m'expliquerez ça un peu plus clair, l'endroit que la fille a été enlevée. Oui, excusez-moi. C'est une petite délinquance, c'est ça? Oui, c'est ça. Elle a été enlevée avec ici. C'est ici que nous avons trouvé les premières empreintes. Et il y a une autre là-bas. Ça va. C'était la deuxième empreinte? Non, c'était un petit peu plus haut. Ah, allez, allons. Voici la deuxième empreinte. Et il y en a plus d'autres. Pour nous, la fille s'est fait volatiliser. Nous n'avons pas trouvé l'empreinte de la personne qui l'a enlevée. D'accord. Et vous êtes sûr que les empreintes s'arrêtent ici? Oui. Ici, il y a des cailloux aussi. C'est un peu plus dur pour relever les empreintes. Mais on ne sait jamais si la fille elle a marché sur le caillou. Pour moi, la personne qui a enlevé la fille, il n'a pas passé par ici. Parce que s'il passe par ici, la mère de la petite fille aurait dû voir la personne partir avec sa fille. Et donc, vous voyez le chemin qui est là-bas, là, hein? Oui. Mais ici, ça s'enfonce dans la forêt. Venez, je vous montre là-bas, là. Vous voyez par ici, là. Voilà. Oui. Ici, là. Ça s'enfonce dans la forêt. C'est la personne qui enlève la fille, il passe par là-bas. Est-ce que vous me suivez là? Oui.
ben, si la personne qui enlève la fille, il passe par là-bas, et ben et la mère de la petite fille aurait vu la personne partir. Oui. Vous comprenez? Et s'ils s'enfoncent dans la forêt. Ah, mais voilà. Tenez ceci. C'est peut-être un morceau du vêtement de la fille, ça. Parce que, oui, vous avez raison. Parce que c'est pas sale. Parce que si ça reste là depuis longtemps, la pluie et voilà, aurait dû changer le tissu. Vous avez un sachet là pour mettre dedans, là, un petit sac en plastique. Est-ce que la mère de la petite, elle vous a dit comment sa fille était habillée? Non, elle ne m'a rien dit là-dessus. Et où je peux trouver la mère de la petite là? C'est madame là-bas. Ah, c'est madame là-bas? Oui. Et bon, d'accord, merci. Et pendant ce temps, vous devez examiner un peu les alentours. Hein. Okay. Bonjour madame, je suis le lieutenant Colombo de la brigade criminelle. C'est pour vous poser quelques questions. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Racontez-moi en détail. En fait, j'étais en train de marcher avec mon petit fils. Après, j'étais en train de la porter. Madame, vous pouvez me donner un stylo? Ma pauvre femme me donne un crayon tous les matins. Je ne sais pas qu'est-ce que j'en fais avec. Oui. D'accord, merci. Maintenant, racontez-moi en détail qu'est-ce qui s'est passé exactement. En fait, j'étais en train de porter ma petite fille et après, je l'ai laissée un petit peu marcher. Et il y a un coureur qui est arrivé et il voulait se renseigner sur la forêt des armes. La forêt des armes, vous dites? Oui. C'est la forêt qui se trouve juste là-bas, alors, c'est ça, à 1 km d'ici. Oui. D'accord. Allez, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Et après, ben, j'ai pas vu ma petite fille qui marchait toujours. Et après, quand j'avais donné le renseignement au coureur, et ben, il est parti et ma fille a disparu. Et quand vous allez retourner, vous avez cherché votre fille et vous n'avez pas trouvé, c'est ça? Oui, oui. Et madame, vous pouvez me décrire comment était la personne qui vous a parlé? Il avait un t-shirt blanc avec des points noirs, une casquette verte et un jogging et une sacoche. Il portait dans cette direction. C'est le t-shirt, il y avait des sur le t-shirt, il y avait des points noirs, c'est ça? Oui. Ah, mais c'est joli ça. Je vais demander à ma femme de m'en acheter un pareil. C'est sera joli ça. Et maintenant, le visage, vous pouvez me décrire, et la taille. Il faisait à peu près dans les 1m70 et le visage il était un peu maigri. D'accord. Et il portait une casquette verte. Oui. D'accord. Et madame, il faut que vous surveillez bien votre enfant, c'est très important madame. Il y a des formations pour ça. Je vous donne le numéro madame. C'est très important hein, parce que c'est une petite de 5 ans et voilà, c'est grave. Vous devez bien surveiller votre enfant. Il y a le numéro et l'adresse. Vous devez aller voir madame. C'est très important. C'est votre stylo ça. Voilà, vous devez aller voir. Je vous revois ce soir. Je vais à peu près 5h30 comme ça. Je parlerai chez vous. Vous avez déjà donné l'adresse aux autres officiers de police? Oui. Vous avez déjà donné? Oui. Quel est votre nom? J'ai oublié de... Barbara Flykin. Barbara Flykin. Je vais essayer de mémoriser. Voilà. Barbara Flykin, comment ça s'écrit? B-A-R-B-A-R-A. F-A-L-A-Flykin. Oui. Et votre fille s'appelle comment? Cindy Flykin. Cindy. Est-ce que vous avez un mari? Oui, puisque j'ai un enfant. Mais votre mari est à la maison ou il est en voyage? Il est où? En voyage. D'accord. Bon, ce soir je vous retrouve à 5h, vers 5h30, comme ça chez vous, pour pouvoir vous questionner un peu, parce que je pense que là ce sera tout, parce que j'ai encore d'autres boulot à faire. Je vous retrouve tout à l'heure à 5h, parce que donc là il est encore 3h, ben à 5h30, comme ça je viendrai vous voir.
Ah d'accord, je vous donne, je vous rends le stylo. Je vais me chercher un stylo pareil, c'est très joli. D'accord, au revoir. Tais-toi maintenant, tu fermes ta gueule, ok? Je vais plus t'entendre. Tout à l'heure, je te donnerai à manger. Alors, où est la fillette? Je l'ai cachée dans le grenier. Et je l'ai donné un peu d'eau. Très bien. C'est très bien. Maintenant, je vais te demander de tuer Madame Plankin. Ah non, ça je ne peux pas. Non, je ne peux pas tuer Madame Plankin. Comment ça, tu peux pas? Tu dois tuer Madame Plankin. Non, non, je ne tuerai pas Madame Plankin. C'est impossible, je ne peux pas la tuer. Je t'avais déjà dit que je te prends pour travailler avec moi pour tuer Madame Plankin et enlever sa petite fille, c'est tout. Mais tu m'as pas écouté et tu m'as pas compris totalement. Maintenant, tu ne veux pas tuer Madame Plankin, tu dois tuer Madame Plankin, sinon ça je te payera pas. Je suis pas fait pour ça, je ne veux pas. Fais ce que tu veux, mais je ne travaillerai plus avec toi. Tu dois tuer Madame Plankin. Essaye de trouver une autre personne pour tuer Madame Plankin, mais pas moi. Non, non, ne compte pas sur moi. Pour vous poser quelques questions, je vous avais dit. Asseyez-vous si vous voulez. Non, merci, ça va. Ce sera pas long, je vous promets, ce sera pas long. Votre fille, elle était habillée comment? Elle était habillée avec une robe rouge, un bonnet sur la tête et des chaussures blanches. D'accord, donc elle était habillée en rouge. Mais donc, si je vois bien, est-ce que ça l'appartient, ça? Ce tissu rouge-là? Oui, je reconnais parfaitement le tissu car c'est moi qui a fait sa robe. C'est le tissu de sa robe. Où l'avez-vous trouvé? Eh bien, je dois vous dire, madame, que... le tissu rouge était accroché à une branche, donc ça veut dire bien que la fille n'était pas perdue dans la forêt. Elle s'est pas enfoncée dans la forêt comme ça. C'est quelqu'un qui l'a enlevé parce qu'une petite fille de 5 ans, c'est tout petit comme ça. Et le tissu était accroché en haut, à peu près de cette hauteur. Donc ça veut dire que la fille a été enlevée par le voleur comme ça. Et ensuite, il y a un bout de tissu qui s'était accroché aux arbres. Donc voilà. Donc on n'a pas encore examiné ça. Et la personne qui a enlevé votre fille, il s'est enfoncé dans la forêt. Et c'est le chemin qui mène vers la forêt. C'est ici que nous avons trouvé le morceau de tissu. Ce que vous m'avez pas dit ou pas tout à l'heure là, c'est que comment était le visage de votre fille, vous m'avez pas décrit. Tenez, voici une photo de ma fille. C'est une photo qu'il y a 2 mois. D'accord. S'il vous plaît, retrouvez ma fille le plus vite possible, sinon je ne dormirai pas cette nuit. Ne vous inquiétez pas, madame, nous allons retrouver le plus vite possible votre fille. Merci d'avoir... je peux garder la photo? Oui. Comme ça, je peux retrouver votre fille. Nous avons du nouveau demain. Demain, je passerai vous voir demain dans l'après-midi.
environ 3 heures si j'ai rien à faire. Ce sera pour vous donner du nouveau ce que les enquêteurs ont trouvé sur le parc. Et ce sera tout pour aujourd'hui, je passerai demain. Parce que ça suffit, je vais pouvoir bien me trouver des informations là-dessus. Si vous pouvez retrouver ma fille. Restez tranquille, madame, nous allons la retrouver. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Alors, il a été tué d'une balle en plein ventre de calibre 38. Oui. Il y a 15 heures. D'accord, merci docteur. L'autopsie, c'est quand? L'autopsie sera dans 2 heures de temps ou à 3 heures de temps. Mais ça prendra beaucoup de temps parce qu'il faut bien vérifier tout le corps pour voir s'il n'y a pas d'autres traces sur le corps. D'accord, merci. Au revoir, je vais appeler l'hélicoptère. Ah, bonjour docteur. Les nouvelles sont comment? Ben, vous savez, l'homme était tué d'une balle en plein ventre avec un calibre 38. Mais l'autopsie va se terminer dans 2 heures, 3 ou 3 heures. Le corps a été jeté à l'eau à quelle heure? Le corps a été jeté à l'eau à 4 heures ce matin. Allô, oui, c'est l'hélicoptère. Oui, essayez de venir un petit peu plus vite parce que avec la chaleur, le corps va se décomposer. Oui. Lieutenant, oui. Cet homme a été trouvé par un pêcheur et il paraît qu'il est mort d'une balle de calibre 38. Ça va. J'ai rencontré le docteur tout à l'heure. Continuez à examiner les alentours parce que là c'était un meurtre très grave. Et vous avez déjà relevé les empreintes? C'est là-bas, suivez-moi. Ici, nous avons les premières traces que l'assassin a tiré le corps jusqu'à l'étang. Ah, il a tiré comme ça, il est parti jusqu'à l'étang là-bas, c'est ça? Oui. Je pense que l'assassin a tiré le corps par ici.
et il a tiré comme ça. Le pied était dirigé de l'autre côté et la tête était de l'autre côté. Et il a tiré comme ça. Et il est parti là-bas. Et ensuite, vous avez une autre empreinte? Oui, nous avons trouvé une autre empreinte juste là-bas. Là, nous voir. Nous avons trouvé une empreinte juste ici. Ici, là? Oui. Elle se dirige vers là-bas. Voilà, il se dirige vers là-bas. Ça veut dire que l'assassin n'a pas passé en plein le chemin. Il a passé dans le coin. Mais quand même, vous avez trouvé les empreintes, et ça, c'est formidable. Maintenant, vous allez examiner l'autre côté, et moi, je vais faire un petit tour là-bas. D'accord? Tenez le chien, parce que j'ai besoin de beaucoup de concentration. Il râle trop. Jean-Monsieur, vous êtes de la police? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a un problème? Un homme est mort. Une balle dans le ventre de calibre 38. Et qui est cet homme? Venez voir. Mais je le connais. Ah bon? Comment il s'appelle? C'était mon ancien mécanicien. Je ne comprends pas pourquoi il est mort. C'est pas possible ça. C'était votre ancien mécanicien, c'est ça? Oui, mon ancien mécanicien. Il s'appelle Charles Pocapulaire. Et est-ce que vous étiez proche? Ils sont enquêteurs, ils ont besoin d'aide. Ils ont trouvé les traces de voiture là. Ils faisaient demi-tour à l'autre côté et c'est ça qui est bizarre. Ils ont besoin d'aide, allez voir. Okay. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes qui? Je suis le lieutenant Colombo de la brigade criminelle. Moi, je m'appelle Marc Ducoin. Je connais cet homme, mais c'est mon ancien mécanicien. Votre ancien mécanicien? Ah, d'accord. La dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a 2 mois. Ah. Mais vous êtes le monsieur qui a parlé à Madame Flykin hier? Oui, c'était moi hier. J'étais en train de courir et puis j'ai parlé avec la dame là. Vous ne savez pas Madame Flykin? S'appelle Madame Flykin, je ne savais pas. Et puis j'ai demandé où se trouve la forêt des âmes. Et ensuite, voilà, je suis parti, mais je ne suis pas arrivé au bout. Hein. J'étais fatigué. Vous savez, moi et ma femme, parfois on va faire des randonnées, mais on n'arrive pas au bout. Ben, c'était mon ancien mécanicien. Maintenant, il est mort. Je vous revois tout à l'heure. Dans l'après-midi, je passerai chez vous. J'ai encore d'autres questions à vous poser. Vers 3 heures. À 3h30, c'est mieux. L'hélicoptère va venir pour chercher le cadavre. Et donc je vous revois cet après-midi, monsieur. Au revoir. Au revoir. Monsieur, attendez. Ce bracelet vous appartient? Oui, c'est à moi. Ouais, ça détache souvent. Tout le temps, ça détache. Les bracelets comme celle-ci, ça se décroche facilement. Et voilà, je l'ai acheté il y a un an. Et vous avez payé ça combien? Si je me souviens bien, j'ai payé 216 euros. Ah, mais c'est cher. D'accord, tout à l'heure à 3h30. Dans l'après-midi, au revoir. Ah, au revoir. Monsieur Ducoin, vous êtes là? Monsieur Ducoin! Qui est-ce? Ah, lieutenant, entrez, je vous en prie. Merci. Mes condoléances pour Charles Vocapulaire. Merci. La dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a 2 mois. Alors, hier, nous avons eu
un enlèvement et aujourd'hui un meurtre. Qu'est-ce qui se passe au parc des armes? C'est bizarre. Et qu'est-ce qui se passe dans la forêt des armes? On dirait qu'il y a des imbéciles qui tournent partout dans le parc. Nous ne savons pas encore comment Charles Pocapulet est mort tant que nous n'avons pas les rapports d'autopsie. Donc je pense qu'il faudra fermer le parc parce que c'est dangereux en ce moment. Charles Pocapulet était un homme comment? C'était un homme sans histoire et il vivait comme tout le monde, tranquillement. Et il rendait service à tout le monde quand les gens venaient à son garage. Et voilà. Ah, mais c'est ça un mécanicien. J'aurais dû apporter ma voiture pour le réparer. Parce que moi, vous savez, moi j'ai une vieille Peugeot de 1950. Hier soir, j'ai entendu à la radio qu'une petite fille en rouge qui a été enlevée. Et apparemment, c'est la fille de Madame Plaikin, parce que je me souviens bien, sa fille était en rouge. Et donc, moi, je courais hier dans la communauté pour faire du sport, j'ai parlé à Madame Plaikin, j'ai demandé où est la forêt des âmes, elle m'a dirigé, je suis parti tout simplement. Et ensuite, là, j'entends à la radio hier après-midi que sa petite fille a été enlevée. Sa mère surveille mal son enfant, et aujourd'hui, on ne sait pas où est son enfant. Maintenant, il y a un meurtre. Est-ce que vous possédez une arme? Une arme? Si, j'ai une arme chez moi. J'ai ce fusil. C'est un fusil de chasse de calibre 12. Ça fait longtemps que je n'ai pas servi. Vous voyez, il y a de la poussière dessus. Oui, je vois. Cet homme a été tué avec une balle de calibre 38. Et vous possédez. Je ne comprends pas comment Charles Pocapulet est mort, ça c'est pas possible. Qui a pu faire ça? Vous voulez un café? Oui, avec plaisir. Ça va prendre deux petites minutes, ne vous inquiétez pas. Voilà votre café. Ah, vous avez mis combien de sucre? J'ai mis 2 sucres. Vous pouvez vous asseoir ici, hein? Ah, merci, c'est gentil. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Charles Pocapulet avait été tué 15 heures avant qu'il a été jeté à l'eau. Il a été jeté à l'eau environ 4 heures ce matin. Oui, ça. Ce sera dur pour tout ce qui se passe. Mais s'il vous plaît, arrêtez de parler de Charles Pocapulet parce que ça me tourmente la tête, ça me fatigue trop. Oui, je vais arrêter de parler de Jean Pocapulet. Mais parlons de l'enlèvement. C'est ce qui est bizarre, ça. C'est pas possible. Il y a une question qui tourne dans ma tête, mais jamais je trouve quelle est la question. J'allais vous poser une question, mais je ne trouve plus. Mais oui, c'est normal. Le métier de la police, ça travaille beaucoup la tête, c'est normal. Votre mécanicien, là. Son garage se situe à quel endroit, à quelle ville à peu près? Le garage Pocapulet, c'est à 3 km d'ici. Ah, c'est pas loin. En tout cas, je vous remercie pour le café. Je repasserai quand j'aurai les nouvelles d'autopsie. Oui, merci. Voilà, au revoir, monsieur. Ah, mais voilà la question que j'allais vous poser. Comment ça se fait que quand vous étiez en train de parler avec Madame Plaikin, vous n'avez pas jeté un coup d'œil sur l'enfant, vous n'avez pas dit à Madame Plaikin, attention, votre enfant elle va un peu trop loin. Ah, j'ai pas fait attention, hein. J'étais concentré sur mon sport.
En tout cas, je vous remercie. Je repasserai quand j'aurai les nouvelles d'autopsie. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Tiens, bois ça. C'est de l'eau. Je suis venu chercher le rapport d'autopsie. Passez dans mon bureau, il est juste à côté. D'accord. L'homme a été tué avec quel genre de pistolet? Celui-là, exactement. Exactement le même. Quelle coïncidence. C'est un calibre 38. Et vous êtes arrivé juste quand j'étais en train de m'entraîner pour voir si c'était le bon. Je viens d'aller voir Marc Ducoin. Et pendant qu'il allait préparer un café, j'ai profité pour aller fouiller un peu dans sa maison, dans son bureau, et j'ai trouvé ce même genre de pistolet, même numéro, 7B2, c'est exactement le même numéro que j'ai trouvé dans le placard de... C'était pas un placard, un genre de cachet que j'ai trouvé. Et donc voilà, je vais continuer à enquêter là-dessus. Et vous aussi, bon courage pour enquêter. Je vais chercher le rapport d'autopsie. Continuez votre travail. Monsieur Colombo? Monsieur Colombo, qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous avez rentré? Eh bien, votre porte était déjà ouverte, donc j'ai frappé et donc il y a une personne. Donc j'ai entré et je suis venu pour vous remettre votre magnifique photographe. Voilà. Ah, merci. Et vous l'avez retrouvé? Malheureusement, votre fille, nous n'avons pas retrouvé votre fille, madame. Ce que je veux vous dire, c'est que il y a un meurtre, vous savez. Il y a un meurtre. Oui. J'ai vu dans le journal qu'il y avait un meurtre à 2 km de le port des Arts. Oui, et vous savez que c'est pas votre fille, hein. C'est pas votre fille. Et donc, c'est près du parc des Arts, et du coup, on enquête dessus, sur deux choses. Donc moi, j'enquête un peu sur le meurtre et un peu sur la disparition de votre fille. Et il me semble qu'il y a quelque chose à voir. Mais j'ai pas peur, je peux pas dire si c'est sûr qu'il y a quelque chose à voir avec la disparition de votre fille. Et du coup, demain, il y aura une fouille qui viendra chez vous pour fouiller un peu. Parce que peut-être, je ne sais rien, mais il y aura... une fouille pour voir si on peut trouver des preuves ici, s'il y a un voleur, quelque chose qui a passé ici avant la disparition de votre fille, s'il y a quelque chose qui a bougé, d'accord? Et donc, demain matin, vers 9h comme ça, il y aura deux policiers qui viendront chez vous pour fouiller. Et moi, peut-être, je passerai vous voir demain s'il y a quelques problèmes. Madame, je vous en prie, au revoir. Au revoir, merci. Bon courage pour retrouver ma fille. Oui, ne vous inquiétez pas, nous allons retrouver, nous travaillons très dur sur cette affaire. Pas tuer Madame Plaquine. Parce que sinon ça va faire deux crimes. Mais je l'aurai.
Monsieur Ducoin. Lieutenant, qu'est-ce que vous faites ici, l'État? Écoutez, ce sera pas long, je vous en prie. Monsieur Colombo, vous êtes venu ici pour quelle raison exactement? Eh bien, je suis venu pour vous parler du rapport d'autopsie. Il est tard. Demain, je travaille, moi. Et vous travaillez où? Je suis patron d'un magasin. Ah, vous êtes patron d'un magasin? D'accord. Qu'est-ce que vous avez à dire encore? Alors, l'homme a une balle dans le ventre, environ de quelques mètres, comme ça. À même distance que vous êtes là, même à cette même distance. Oui. Il a une balle dans le ventre, et ensuite, il est tombé comme ça. Et il a touché un objet, mais on ne sait pas quel objet. Il a touché, et ensuite, il est tombé sur le dos comme ça. Oui. Il est mort environ 5 secondes après, comme ça. Il n'était pas mort directement, comme ça. Et ensuite, voilà, l'assassin a enroulé le tissu environ quelques minutes après sa mort. Oui. Ensuite, il a été jeté à l'eau environ 4 heures du matin. Ça, je pense que vous savez. Et qu'est-ce que c'est que ça? Non, ne touchez pas à ça. Il est tard, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Je prends le travail vers 8 heures. Ah, d'accord. À partir d'aujourd'hui, je ne peux plus vous voir ici. J'ai rien à voir dans cette affaire. Mais s'il vous plaît, j'ai encore quelques questions à vous poser. Maintenant, foutez-moi la paix, il est tard. D'accord, je vous laisse tranquille. Mais demain, il y aura une équipe de fouilles qui viendra chez vous pour fouiller un peu. Vos hommes peuvent venir fouiller ici, mais demain, je ne serai pas là. Je serai au travail. Bon ben je vous laisse tranquille monsieur, au revoir. Bonne soirée et revenez plus me voir. Je vous ai parlé avant, quand vous étiez au parc des armes, je vous ai demandé où est la forêt des armes, vous ne me reconnaissez pas. Ah si, je vous reconnais maintenant. Bien, je suis venu vous rendre une petite visite parce que votre fille n'est pas là en ce moment, mais donc vous êtes seul, je suppose. Hein? Donc je suis venu pour vous donner un magnifique cadeau. C'est une boîte d'anti-moustiques. Et dedans, il y a des anti-moustiques très 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 puissants. Hein? Je vais le ranger. Vas-y. J'étais en train de voilà, d'observer un peu dans la maison. On va discuter un petit peu. Vous savez, moi je suis un grand rigolo. Voilà. Je vous prépare un petit thé. Oui, si vous voulez, oui, avec plaisir. Alors, Madame Plaquine, votre fille a disparu. Ben, c'est pour ça que je suis venu vous rendre une petite visite, parce que je pense que vraiment, ben, en ce moment, ça ne va pas du tout. Mais de toute façon, la police va retrouver votre fille. Et vous savez, c'est Charles Pocapulaire, mon ancien mécanicien, c'est lui qui est mort. Toujours condamné. Merci. Donc, voilà, c'est lui qui est mort. Et donc, moi aussi, je suis un peu comme vous, en fait. Je suis tout seul. Okay. Et en plus, mon mari est
Votre mari ne sait pas que votre fille a été enlevée? Oui. Mais vous n'avez pas contact avec lui? Si, mais je ne veux pas lui dire cette nouvelle affreuse, car il a eu un nouveau travail. D'accord. Ben oui, je comprends. Je comprends. Et bien oui. Moi, il y a une équipe de fouilles qui viendra chez moi. La police viendra fouiller chez moi. Et on verra. Ben là, en ce moment, ils sont en train de fouiller chez moi. Pour voir s'il n'y a pas de soucis. Moi aussi, je viens à 9h. Vous aussi? Oui. Deux minutes, je reviens sur le thé sûrement. Il y a une petite tache là-bas, comme tout. Je vais essayer d'enlever ça. Hein. Voilà, il y a plus de tâches là. Je vais déposer mon verre. Ouais. Voilà. Monsieur, bonjour, police. Nous avons un mandat pour fouiller la maison. Madame Flakin, la police est arrivée. Ah, c'est pour la fouille. Vous, là-bas, je vais de l'autre côté. Ah, lieutenant. Ah, lieutenant Colombo. Je suis venu ici pour rendre visite à Madame Flakin. Et vous? Eh bien, Monsieur Marc Ducouin, je suis venu pour tout simplement aider les enquêteurs à fouiller un peu dans la maison de Madame Flakin. Vous avez retrouvé ma fille? Madame Flakin, nous allons retrouver votre enfant. Dès aujourd'hui, votre petite fille sera retrouvée. Ne vous inquiétez pas. Vous dites que vous allez trouver sa fille aujourd'hui? Mais comment vous allez faire? Non, monsieur Marc Ducouin, n'allez pas trop vite. Nous allons retrouver sa petite fille. Ah, vous avez assez de preuves. Vous voulez dire quoi? Vous voulez m'arrêter? Non, nous n'avons rien dit, monsieur. Nous n'avons encore rien dit. Lieutenant, regardez ce que j'ai trouvé. Il y a un pistolet là-dedans. Ce pistolet, ça veut dire que c'est Madame Flakin qui a tué Charles Contrapillaire. Relevez les empreintes. Vous n'avez pas de preuves, Madame Flakin. Et vous, lieutenant, vous avez de preuves pour prouver que c'est moi qui ai tué Charles Vocapulaire? Mais non, regardez, c'est pas une boîte d'anti-moustique, ça. La boîte d'anti-moustique, c'est là-bas. Et moi, j'ai apporté une boîte d'anti-moustique. Et ça, c'est un pistolet qui est caché chez vous. Et moi, j'ai rien à voir là-dedans. Je n'ai aucune arme chez moi. Nous allons voir qui a utilisé l'arme du crime. Et qui a tué Charles Vocapulaire? Nous avons les empreintes de Marc Ducouin et les empreintes du lieutenant Colombo. Ah bon? Mais nous allons voir les preuves. Alors, monsieur Marc Ducouin, nous allons vous donner des preuves que c'est vous qui a tué Charles Vocapulaire avec cette arme exactement.
Voilà, commençons par... Quand j'étais en train de discuter avec vous, la première fois dans votre bureau, vous avez mis votre pied sur votre bureau. Et moi, j'ai vu que sur votre chaussure, sous votre chaussure, il y avait les mêmes empreintes que j'ai trouvées à côté de l'étang, que nous avons trouvé ensemble, les enquêteurs, nous avons trouvé à côté de l'étang. Et aussi, votre bracelet, quand je vous l'ai rendu, ce bracelet, je ne l'ai pas trouvé juste devant vous. Votre bracelet n'a pas tombé juste devant moi. Et ce bracelet a été trouvé dans le chemin qui mène vers l'étang et que c'est le chemin que l'assassin a utilisé. Voilà, revenons quand j'étais en train de discuter avec vous dans votre bureau. Ben, quand vous êtes allé me préparer un petit café, eh bien, j'ai fouillé dans votre maison et j'ai trouvé dans une petite cachette, j'ai trouvé l'arme du crime. J'ai trouvé le pistolet calibre 38 et j'ai mémorisé un numéro. Et quand mon collègue était en train d'essayer plusieurs pistolets pour voir lequel est exactement l'arme du crime, eh bien, j'ai posé la question à mon collègue, quelle est l'arme du crime? Eh bien, il m'a dit, le numéro est confirmé, le numéro de la calibre confirmé, votre fille, Madame Blackin, eh bien, c'est Charles Bocapulaire qui a enlevé votre fille. Écoutez, 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 vous avez une fille très intelligente, c'est elle, votre fille, c'est elle qui a décrit le personnage. Qui l'a enlevé. Alors vous avez une fille très intelligente, vous devez me remercier. Voilà, et vous pouvez emmener. Voilà. Merci, lieutenant. Nous allons vous emmener, ne vous inquiétez pas. Vous avez très bien raisonné. Bonne des petites fineurs, vous avez très bien raisonné. Monsieur Marc Ducouin, vous êtes arrêté et... Voilà, Madame Blackie, nous allons rejoindre votre petite fille. Et je vous en prie.